empreint d'une profonde humanité, a su rompre mon isolement et m'a fortifié pour vaincre cette maladie. Le combat contre la COVID-19 continue. Soyons plus rigoureux et disciplinés en nous conformant aux recommandations de nos services sanitaires. Au nom du mouvement Gamsobok Defesereo, créé en avril 2016, et une entité représentative regroupant plusieurs organisations politiques de la commune et d'un ancrage profond au niveau local, qui est aujourd'hui devenu un mouvement national avec des cellules partout ailleurs, comme à Thiès, La Crouse, Rivesque, la banlieue dakaroise, etc. En tant que coordinateur de ce dit mouvement, j'ai le devoir et l'obligation de me prononcer sur l'actualité de notre cher pays qui a marqué ces derniers jours, par une crise sociopolitique et économique à la fois profonde et inquiétante. À notre intime conviction, cela constitue le soubassement principal des récentes manifestations à l'origine de ces nombreuses pertes humaines et matérielles. Je voulais m'incliner devant la mémoire des victimes, condamner ces actes regrettables et en même temps exprimer ma compassion aux impactés. Alors, le seuil critique qui atteint cette situation, existe, quelle que soit notre appartenance politique, de favoriser l'apaisement, la stabilité. C'est le lieu de remercier et féliciter le président de la République pour le message d'apaisement et les mesures fortes qu'il nous a récemment servies en ces moments cruciaux. À partir de ce moment, aucune marge n'est désormais. Laissée pour des discours incendiaires incitatifs à la violence. Par conséquent, nous trouvons incompréhensible que des autorités politiques ou administratives rament à contre-courant pour saper cette dynamique de paix enclenchée par le chef de l'État. Pourtant, pendant les moments difficiles et chauds, la plupart de ces faucons s'étaient emmurés dans un silence de mort. De grâce, mettons en avant l'intérêt national et aidez son excellence Macky Sall à préserver l'unité et la cohésion sociale qui en est le principal garant. Toujours nous suggérons au président de la République de comprendre aussi la classe politique au même titre que la jeunesse. C'est une marge de vitalité et de rayonnement de notre démocratie. C'est le lieu de saluer vivement la posture de nos khalifs généraux qui n'ont ménagé aucun effort pour le retour de la paix. Nous leur réitérons le respect et notre considération. Aussi, nous tenons à remercier les responsables du mouvement M2D qui ont bien voulu accéder à la demande du khalif Serigne Moustapha Macky. Mesdames, Messieurs, le tournant que nous entamons seront, comme l'a voulu notre mouvement politique Gamsobok Defesereo, marqué par une remise en question après évaluation de 6 longues années de compagnonnage avec la mouvance présidentielle. Nous rappelons que ce fut pour donner suite à la demande prononcée du président de la République, à l'accompagner à bâtir ce pays que nous avions, après avoir consulté la base, pris librement l'engagement de le soutenir. La seule et unique condition fut qu'il s'engagea à accompagner notre commune en termes d'infrastructures de guerre et d'équipement public. Nous lui voulons la reconnaissance d'avoir, sur l'essentiel, honoré ses engagements. Pour cela, nous le remercions vivement. Malgré ce besoin de partenariat et de collaboration manifestés par le président de la République à notre égard et notre apport décisif lors des différentes élections, les principaux responsables de la mouvance présidentielle du département de Pikine n'ont jamais daigné
nous accorder la moindre reconnaissance ou considération. Jamais nous ne sommes associés au fonctionnement de la coalition Bernon-Bokoyakar. Au contraire, les politiciens qui nous insultent, qui nous diffament, qui nous combattent, qui s'adonnent étroitement et farouchement à discréditer l'institution municipale de Mao dont nous dirigeons, sont aiguillonnés par des responsables très proches du président de la République. Au regard de ce manque notoire de considération toujours dénoncé et sans moins de succès, notre mouvement a pris désormais la décision de démissionner de la coalition Bernon-Bokoyakar à partir de ce samedi 27 mars 2021. Pour ce qui concerne de ce manque notoire de considération toujours dénoncé et sans moindre succès, notre mouvement Gumsobop de Fesoreu a pris désormais la décision de démissionner de la coalition Bernon-Bokoyakar à partir de ce samedi 27 mars 2021. Pour ce qui concerne notre compagnonnage avec le président de la République, pour ce qui concerne notre compagnonnage avec le président de la République, il n'en sera que ce qu'il en décidera. Je vous remercie au nom du mouvement comme ce beaucoup de Fesoreu. Ben bani da mutta.